Donc, non, ça va. Et dans, juste pour rappeler un peu aux gens, vous ne connaissez pas évidemment ton nom, en termes de dessin animé japonais, t'as une bonne chose à dire pour toi ? Oui, mais alors ne me demande pas les titres. Moi, je... Et pas le travail avec les yeux ou pas du tout ? Ah ouais. En fait, quand on a commencé les dessins animés japonais, ah si, il y en a un que j'avais bien aimé, c'est les Touch Bell. Touch Bell, t'as fait des bons, Touch Bell aussi. C'était un très joli personnage parce qu'ils ont plein d'émotions et j'avais beaucoup aimé le faire. Les conditions de travail ont changé entre les années 80 et les bases et bien ou pas bien? C'est-à-dire qu'on travaillait beaucoup plus vite, mais ça ne nous empêche pas de faire de la qualité parce que maintenant tout le monde est pressé et tout le monde peut être livré dans des vrais très gros qu'on a le matériel assez tard. Mais par contre, on ne lésine pas sur la qualité, ça c'est un fait. Parce que de toute façon, moi je refuse de ne pas travailler dans les bonnes conditions. Et il faut surtout penser au téléspectateur qui est derrière. Et c'est ça, ça se respecte. C'est une critique récurrente chez les fans de manga, le doublage. Oui, alors moi je vous explique une chose. Quand les mangas sont arrivés dans les années 80, personne ne croyait. Personne. Nous, on s'est bien marré à le faire, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas ça. Mais ça ne parlait pas, en tout cas, ni à la jeunesse de ce moment-là, ni aux plus âgés. Nous, on s'était bien éclatés à le faire. Mais il est vrai que personne ne pensait que ça. Et puis, d'un seul coup, on était un peu traités par-dessus la jambe. Et d'un seul coup, quand ils ont vu l'ampleur de la chose, là, il y a des boîtes qui ont commencé à être très boîtes de doublage, qui ont commencé à se bien planter. Et maintenant, nos prochains doublages seront nettement de meilleure qualité. C'est déjà le cas, je suis pas mal en plus. C'est déjà le cas. Mais je reconnais que. En même temps, moi, je fais partie des vieux qui disent que le doublage des années 80, la particularité peut-être, hein, qu'il y a peut-être un Dragon Ball, les doublages des années 80, ont donné aussi un cachet. Oui, parce qu'on avait le droit de créer quelque chose. Et plus adapté que ça. Oui, et en plus, on pouvait apporter au personnage qu'on voulait ce qu'on avait envie d'y mettre à travers ce qu'on ressentait de ce personnage. Et ça, bien sûr, hein, ça se passe pas sur les doublages de série. Vous avez aidé, parce que les séries de la c'est vrai que c'est différent. C'est pas pareil. C'est différent, donc c'est pas pareil. Non, je ne passe plus de m'attaquer dans le boulot, donc je fais attention au plus. Alors, je ne sais pas si les cosplayers ont compris ce qu'on a parlé plus tard. Là, il y avait la troupe Evan. Et juste pour l'anecdote, Evan a un petit frère. Oui, il s'appelle Esteban. Il s'appelle Esteban, un peu. Le mystérieux président, c'est une côte de Grasse. Et sa maman a les cheveux rouges, et à l'instant, elle est rare, elle est juste là. Donc, si tu veux aller lui dire juste un petit bonjour, je pense que ça lui fera super plaisir. Parce que, à cause de gens, grâce à des gens comme toi, ça a formaté des vies entières et des nouvelles choses entières. Et quand on met le générique des mystérieux présidents dans la maison de cette famille-là, bah, c'est pas la même. Arrête de mais vous voyez, quand je vous disais que si vous n'étiez pas là, on n'existerait pas. Merci. Allons. On applaudit.